Mesdames, Messieurs, bonsoir. Les systèmes de santé publique sont mis à rude épreuve depuis l'apparition de la pandémie de la COVID-19. Car en plus de découvrir et riposter contre le coronavirus, les pays, surtout ceux en développement, doivent également continuer à se concentrer sur d'autres urgences sanitaires. Selon l'OMS, on enregistre plus de 114,5 millions de cas de COVID-19 avec plus de 2,5 millions de décès dans le monde. Les États-Unis sont le pays le plus touché et l'Europe le plus impacté. Depuis l'enregistrement des premiers cas le 9 mars 2020 du COVID-19 au Burkina Faso, soit un an jour pour jour, les autorités sanitaires font des points épidémiologique quotidien pour informer les populations de l'évolution de la maladie. Au Burkina, à la date du 7 mars 2021, on enregistre 12 187 cas, dont 11 860 guérisons et 143 décès, avec 184 cas actifs. Au-delà des problèmes sanitaires, les effets socio-économiques de la pandémie sur les populations sont énormes et différenciés. En plus du lourd bilan humain, le caractère informel de l'économie et le manque de filets de protection sociale risquent de faire basculer plusieurs personnes dans la pauvreté. En outre, la COVID-19, au-delà des systèmes de santé des pays, a fortement perturbé les chaînes d'approvisionnement du monde entier, ce qui a affecté la disponibilité des produits de première nécessité et ralenti beaucoup d'activités commerciales et économiques. Quel est l'impact de la maladie à coronavirus sur la santé et les activités socio-économiques au Burkina Faso? Quelles sont les stratégies pour faire face à cette pandémie? Pour répondre à ces différentes questions, je reçois pour vous dans la première partie de cette émission M. Larba Sawadogo. M. Sawadogo est membre du secrétariat exécutif du Comité national de gestion de la crise de la pandémie de la COVID-19. Avec nous également sur ce plateau, Dr. Brice Wilfried Bikaba. Dr. Bikaba est le directeur du CORUS, le centre des opérations de réponse aux urgences sanitaires. Et puis, Dr. Raogo Pierre Kabore. Dr. Kabore est médecin interniste, membre de l'équipe de prise en charge des cas de COVID-19 à l'hôpital de district de Boulmiougou. Bonsoir, monsieur, et merci d'être venu sur ce plateau. Bonsoir, madame. La COVID-19, une maladie hautement contagieuse qui s'est rapidement propagée à travers le monde entier. Partie de Wuhan, dans la province chinoise de Hubei, 2 à 3 mois ont suffi au virus pour atteindre l'ensemble des pays du monde et être déclaré comme pandémie par l'Organisation mondiale de la santé. Le Burkina Faso, pour sa part, a enregistré son premier cas déclaré le 9 mars 2020. Et depuis, la pandémie reste encore d'actualité. À ce jour, plus de 120 millions de personnes dans le monde ont contracté le virus avec plus de 2,6 millions de décès. Rappel historique avec Vincent Kendrebego. Ouagadougou, le 9 mars 2020. Ce jour-là, une nouvelle tant redoutée tombe. Au CHU de Tengango, le ministre de la Santé annonce officiellement le premier cas de COVID-19 au Burkina Faso. Une semaine après, les autorités sanitaires annoncent le premier décès lié à cette nouvelle maladie, alors que le nombre de cas de contamination avoisine déjà la trentaine de personnes. La situation est déjà préoccupante pour la population et pour les autorités burkinabées. Le 20 mars, le président du Faso fait une adresse à la nation, suivie d'une autre le 2 avril. Et c'est parti pour un autre mode de vie pour les Burkinabés, avec des mesures sanitaires strictes et très contraignantes pour les populations et pour l'économie nationale. Artistes, autorités morales et des organisations associatives se lancent dans la sensibilisation de masse pour prévenir ce virus hautement contagieux qui a envahi les continents en quelques mois. Tout part de Wuhan, en Chine, foyer initial du virus qui est apparu en novembre-décembre 2020 pour se propager très rapidement à travers le monde entier. Le 11 mars, l'Organisation mondiale de la santé déclare une pandémie qui concerne déjà plus d'une centaine de pays. Des voix dignes de foi prévoient l'hécatombe en Afrique, continent le plus vulnérable selon les spécialistes. Erreur de calcul, à ce jour, les États-Unis totalisent plus d'un demi-million de morts
contre 70 000 en Afrique sur les 2,6 millions de morts dans le monde entier. Avec au monde plus de 120 millions de personnes touchées, l'espoir se repose désormais sur le vaccin dont les premières doses ont commencé à être administrées depuis début 2021. Docteur Bikaba, quelle est la situation actuelle de l'épidémie dans le monde et au Burkina Faso? Merci bien, Madame Dao. Pour ce qui concerne la situation de la COVID dans le monde, il faut dire que cela fait une année que le monde fait face donc à cette épidémie. C'est l'une des plus longues, avec une première vague que nous avons notée, bien sûr, lors de l'introduction. Et nous croyons donc que nous avions déjà fait face au plus dur, mais nous avons noté qu'à l'échelle mondiale, nous avons eu cette seconde vague qui était beaucoup plus importante que la première vague, qui est survenue donc au courant au mois d'octobre, novembre et décembre. Et depuis quelques temps, depuis janvier, fin janvier, février, nous observons donc une diminution à l'échelle mondiale du nombre de nouveaux cas. Mais cela est diversement noté dans les pays où on observe. Ce qui est sûr au niveau de l'Afrique de l'Ouest, au niveau de l'espace CEDEAO par exemple, nous avons noté que ces dernières semaines, il y a une diminution notable du nombre de nouveaux cas. Pour le Burkina également, pour ce qui concerne donc cette deuxième vague que nous avons observée donc avec un pic au cours du mois de décembre, au cours du mois de janvier, nous avons observé progressivement également une diminution du nombre de nouveaux cas. Ce qui fait qu'à un certain moment, en décembre, nous avions pratiquement 200 cas confirmés par jour, mais aujourd'hui, nous sommes autour donc, de 20 à 30 cas confirmés par jour. Donc, nous sommes en train de retourner à la situation que nous avions vécue au cours du mois de mars à avril. Et nous espérons en tout cas que la situation va aller de mieux en mieux, avec bien sûr une diminution également du nombre de cas sévères et une diminution également des cas de décès. Monsieur Savado, comment la coordination à la réponse est-elle organisée au niveau national? Merci, madame. Comme vous l'avez si bien rappelé, c'est le 9 mars, effectivement, que le virus est entré au Burkina Faso. Tout à fait. Et déjà, le 17 mars, le gouvernement a créé ce qu'on appelle le Comité national de la gestion de l'épidémie, qui était plus ou moins centré sur le secteur santé. Mais comme vous le savez également aussi, très vite, l'épidémie s'est muée en une pandémie, avec bien sûr quelques caractéristiques inattendues, notamment la fermeture des frontières, le confinement, le couvre-feu, la paralysie des chaînes de production, etc. Ce qui donc va amener le gouvernement à créer une autre coordination beaucoup plus large. Cette coordination a été créée par décret le 4 mai 2020 et il avait donc pour attribution d'élaborer le plan d'action de lutte contre l'épidémie du Covid, de coordonner la mise en œuvre des actions de plan d'action, de coordonner l'appui des partenaires, de mobiliser les ressources, etc. Alors cette coordination donc s'est armée d'un bras opérationnel qui est le secrétariat exécutif. Ce secrétariat exécutif était chargé donc de préparer les réunions, de rédiger, de présenter donc les rapports de réunion, la coordination, etc. et de coordonner le travail des comités sectoriels. Il faut dire qu'en plus du secrétariat exécutif, il y a les comités sectoriels, qui sont au nombre de 5. Il y a le comité sectoriel santé, dont le coordinateur est ici présent, Brice Bikaba, et dont le superviseur est le ministre de la Santé. Il y a le comité sectoriel liberté publique et réponse communautaire, qui est le coordinateur est Emmanuel Brice, Savado Emmanuel Brice, et donc le superviseur est le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale. Il y a le comité sectoriel action humanitaire, dont le coordinateur est, je crois, Bakouin, et le ministre de l'Action sociale et de la solidarité nationale est le superviseur. Il y a le coordinateur, il y a également aussi le comité secteur coopération et développement, dont le coordinateur est Larva Kobiaga, et le ministre des Finances est donc le superviseur. Et enfin, le comité sectoriel communication, dont le ministre est le superviseur, et le coordinateur, et je crois, Zida Aboubakr. Voilà les 5 comités sectoriels qui font partie donc de la coordination nationale. Mais au-delà de cette coordination nationale, il y a également aussi les comités régionaux qui sont présidés par les gouverneurs de région
et qui se trouve dans les 13 régions du Burkina Faso. Voilà donc comment s'organise donc la coordination nationale. Voilà. Merci bien, madame. Docteur Bikaba, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'au Burkina, le pic a été atteint? Merci. Il faut dire que lorsque nous avions, au cours du mois de mars, nous avons suivi l'évolution, donc la courbe. En avril, nous avions dit que nous avions atteint notre pic entre la semaine du 6 ou 12 avril pour ensuite évoluer. Et nous avons vu qu'au bout d'une année, nous avons eu 3 pics. Généralement, pour ce qui concerne les épidémies, les pics correspondent donc à un changement du mode de transmission de la maladie. Donc, on aura constaté donc au niveau du Burkina Faso, lorsque le virus est entré, c'était à l'introduction du virus et nous avons vu la transmission qui s'en est suivie. Pour ce qui concerne le deuxième pic, c'était vraiment une transmission localisée, avec des foyers localisés. Et le troisième pic, ça, c'était vraiment une transmission communautaire et généralisée. Et nous pensons avoir atteint en tout cas le pic en décembre-janvier. Mais tant qu'on n'aura pas effectivement vaincu ce virus, il n'est pas exclu effectivement qu'on observe effectivement d'autres pics. Docteur Kabori, on enregistre de moins en moins de décès dus à la maladie à coronavirus. Est-ce que cela veut dire que les formes compliquées de la maladie sont moins fréquentes ou bien c'est l'efficacité de la prise en charge qui porte ses fruits? Ok, merci bien pour la question. Mais avant de répondre à votre question, avec la permission du docteur Bikaba et de M. Sarogo, alors je voudrais avant tout m'incliner devant la mémoire de toutes les victimes donc, de cette pandémie, les victimes du monde entier, mais surtout celles du Burkina Faso. Et en plus, je voudrais également, avec votre permission, rendre un vibrant hommage à tous ceux-là qu'on appelle les soldats de la première heure qui n'ont pas hésité à aller à Tengango, prendre tout le risque. Je pense que leur engagement, en tout cas, a été un catalyseur pour la suite de ce combat-là, qui, en tout cas, a permis d'engager des résultats très satisfaisants. Alors, pour revenir à votre question, c'est vrai que ces temps-ci, nous constatons qu'il y a de moins en moins de cas compliqués. Et je pense que nous ne sommes plus au début de l'épidémie. Au début de l'épidémie, il y avait beaucoup d'inconnus. Et certaines choses n'étaient pas très codifiées. Actuellement, avec toutes les connaissances, ou la panoplie de connaissances qu'on a sur l'épidémie, déjà, du point de vue de la prise en charge médicale, les choses sont assez bien codifiées. Il suffit donc de les suivre. Et actuellement, on a une prise en charge, je dirais, globale et pluridisciplinaire du patient. Donc, le patient qui arrive, on ne se contente pas de le prendre en charge sur son volet médical, mais il y a d'autres aspects qui sont considérés et pour lesquels on fait appel à d'autres spécialistes. Alors, en dehors de cela, il faut dire que actuellement, on a l'engagement de tous les Burkinabés, hein, quel que soit son statut ou son profil de professionnel. Les paramédicaux, les médecins, ainsi de suite, tout le monde a réussi quand même à s'affranchir de cette peur-là qu'on avait au début donc, de la pandémie. Et donc, étant affranchi donc, de la peur, les gens n'ont plus peur, en tout cas, de s'engager pour prendre en charge les patients, y compris les populations, parce que les populations aussi avaient au début tellement peur de l'épidémie que personne, en tout cas, ne voulait se déclarer. Mais aujourd'hui, dès qu'on a une petite toux, dès qu'on a un petit rhume, rapidement, on va se faire dépister. Et si on est positif, tout de suite, on prend ses médicaments. Et puis, Dieu aidant, donc les choses évoluent très favorablement pour nous. Je pense que c'est tout ça, en tout cas, qui explique le fait qu'on a de moins en moins donc, de cas compliqués. 9 mars 2020, le Burkina Faso enregistrait ses premiers cas de malades de COVID-19. Une année après, la maladie est toujours d'actualité dans le pays. Près de 200 personnes souffrent encore de la maladie. Pour faire face à la pandémie, une batterie de mesures a été prise par les autorités sanitaires avec l'appui du gouvernement pour renforcer le dispositif de riposte. Après une recrudescence constatée en novembre dernier, l'on assiste à une décrue depuis le 2 février 2021. Un espoir, certes, mais la vigilance doit toujours être de mise selon les agents de santé. L'état des lieux de la COVID-19, c'est avec Amadou Ilboudo et Isaka Nana. ...283 cas actifs de COVID-19 au Burkina Faso à la date du 3 mars 2021. Des cas répartis dans 11 régions du pays, Ouagadougou et Bobo-Dioulasso restent toujours les zones les plus touchées
par la pandémie. Les régions du plateau central et celles du nord, quant à elles, sont momentanément sorties de la pandémie. Depuis l'apparition de la maladie au Burkina Faso le 9 mars 2020, le pays a enregistré 12103 cas confirmés, dont 4541 femmes, 7562 hommes avec un cumul de guéris de 11677 personnes. Par ailleurs, 143 décès sont à déplorer, le nombre de cas de décès les plus élevés étant enregistré dans les deux épicentres Ouagadougou et Bobo-Dioulasso, avec respectivement 77 et 49 décès. Le Covid-19 est bien là et après une recrudescence des cas constatée le 29 février dernier, une batterie de mesures a été prise par les autorités sanitaires avec l'appui du gouvernement pour renforcer le dispositif de riposte. Depuis le 27 janvier, il y a eu la prise en compte des tests de diagnostic rapide antigénique qui ont été introduits dans le processus donc, de riposte. Et il y a eu la réorganisation justement des différents laboratoires qui permettent véritablement en temps réel de faire donc un diagnostic et de rendre les résultats dans un délai de 48 heures maximum. Et il y a eu donc justement donc la disponibilisation de ces tests de diagnostic rapide au niveau des 13 régions du pays, donc qui permet aujourd'hui à toutes les régions d'être au même niveau de riposte que les deux épicentres Ouaga et Bobo-Dioulasso. À ces mesures s'ajoute également un engagement communautaire beaucoup plus fort. Il y a eu donc l'engagement des plus hautes autorités coutumières, également des plus hautes autorités religieuses du pays qui ont donc véritablement pris à bras le corps le processus de sensibilisation, de responsabilisation pour donner donc un modèle, pour donner des exemples donc d'observance de ces mesures barrières. Également la réadaptation des messages donc de sensibilisation en langue pour permettre donc à celui qui parle Fulfulde ou Dula ou Moré, etc., qu'il puisse comprendre le message de sensibilisation diffusé par le ministère de la Santé. Une conjugaison des efforts qui a ainsi permis d'amorcer depuis le 2 février dernier une décrue du nombre de cas de contamination. Il ne faudrait donc pas dormir sur ses lauriers, prévient le docteur Chalmaï Kondombo. Le Covid-19 est toujours d'actualité au Burkina Faso et il faut surtout rester sur ses gardes. La maladie touche davantage les personnes de 60 ans et plus. La maladie touche davantage également les personnes qui ont donc des facteurs de comorbidité, c'est-à-dire des personnes qui ont des maladies sous-jacentes. Et il faut que l'engagement communautaire qui est déjà bien parti puisse se maintenir pendant donc une bonne période et en tout cas pendant toute la durée de la pandémie pour que nous puissions continuer donc de voir en tout cas dans les jours à venir donc une décrue encore plus significative, voire zéro cas donc à l'échelle pays. Se protéger et protéger son entourage, maintenir surtout le cap dans le respect des mesures barrières édictées par le ministère de la Santé pourrait donc permettre de bouter cette pandémie hors des frontières du Burkina Faso, selon le docteur Chalmaï Kondombo. Docteur Bikaba, est-ce que les appels sur le numéro vert sont toujours fréquents? Oui, merci. Il faut dire que à l'occasion bien sûr de cette épidémie au niveau du Burkina Faso, nous avons pu mettre en place un centre d'appel avec bien sûr un numéro vert. Ce centre d'appel qui est une première, en tout cas dans la gestion donc, des urgences, nous l'avons fait avec bien sûr une certaine souplesse, de telle sorte à ce que nous puissions nous adapter au nombre d'appels que nous recevions. Au début, nous avons commencé avec 3 postes. Et ensuite, lorsque les appels ont augmenté, nous sommes allés jusqu'à 47 postes avec des équipes qui travaillaient 24 heures sur 24 avec un roulement chaque 8 heures. Et au pic donc de l'épidémie, on était arrivé parfois à 42 000 appels par jour. Et ensuite, lorsque les cas ont commencé à diminuer actuellement,
Ce numéro, en tout cas, est toujours utilisé, soit pour des informations, soit pour des plaintes. Et nous enregistrons environ 3000 à 4000 appels par jour. Ces appels donc, sont gérés par donc, une équipe au niveau donc, du Chorus. Et il y a un certain nombre de dossiers qui sont traités à ce niveau, notamment les plaintes, parce qu'il y en a qui appellent donc, parce qu'ils n'ont pas reçu un certain nombre de traitements. Donc, les plaintes Est-ce sont traitées. Il y a beaucoup de plaintes. Il y a eu un moment, par exemple en décembre, nous avions eu beaucoup de plaintes relativement par rapport donc aux tests, retard donc des résultats, ou bien par rapport donc à la prise en charge, parce qu'effectivement il y avait beaucoup de cas, et ce qui faisait qu'il y avait un retard des équipes pour aller donc faire le suivi à domicile. Donc c'était également, c'est un indicateur donc un critère de performance effectivement à notre niveau, et c'est à partir de là également que nous essayons d'ajuster également nos stratégies. Donc ce numéro va vraiment important pour nous. Et nous sommes en train de travailler avec l'appui des partenaires pour que ce numéro donc soit donc pérenne, que même après Covid, ce numéro puisse être utilisé, en tout cas dans le terme de gestion des urgences. Actuellement, vous avez combien de postes ? Actuellement, nous avons 5 postes. Et bien sûr, nous avons 2 postes de superviseurs. Ce sont des superviseurs qui permettent donc de faire le valider donc les alertes et de faire le point. D'accord. Docteur Kaboul, comment la prise en charge est-elle organisée actuellement ? C'est vrai que le début, c'était un peu compliqué, parce que c'était une première. On découvrait pour s'organiser, pour faire face à eu beaucoup de difficultés. Actuellement, comment l'organisation, la prise en charge est-elle organisée? D'accord. Merci bien pour la question. On se rappelle effectivement qu'au début, tout était concentré, je dirais, sur Tengango. Même des patients qui étaient suspects dans des régions très reculées, il fallait les convoyer à Tengango. Et à Tengango, on a commencé par un bâtiment, donc le bâtiment 15. Par la suite, il fallait encore aménager d'autres bâtiments. Et j'ai vu que tout ça, c'était difficile, en tout cas pour le ministère, pour le système de santé. Et je crois que c'est au regard de cela qu'à partir du mois de juin, le ministère a décidé donc de la dévolution. Donc la dévolution qui veut dire que donc, le patient, ou du moins le coronavirus, est, je dirais, rejeté, en fait, est géré dans le système de santé ordinaire. Donc, c'est-à-dire que le patient, quelle que soit la localité où il se trouve, normalement, il devait être pris en charge dans cette localité-là. Alors, je pense que c'est pourquoi, d'ailleurs, le ministère donc, a formé en cascade beaucoup d'agents de santé, que ce soit des médecins, des paramédicaux ou des SBC également, mais non seulement aussi de doter toutes les régions du nécessaire, la logistique qu'il faut pour pouvoir gérer donc ces cas-là. Et donc je pense qu'à la date d'aujourd'hui, en tout cas toutes les régions disposent de la compétence nécessaire pour prendre en charge les patients. Alors c'est vrai qu'une bonne partie reste encore concentrée à Ouaga, mais toutes les localités, en tout cas, sont capables de gérer correctement les patients. Les cas difficiles, les cas compliqués qui nécessitent parfois des réanimations sont effectivement donc parfois envoyés donc dans les structures de santé à niveau donc ostalo-universitaire. Et quel est le rôle du Chorus dans cette prise en charge? Le Chorus qui est le centre des opérations de réponse aux urgences sanitaires. Docteur Bikaba. Oui, il faut dire que le Chorus est un outil du ministère de la Santé qui a été lancé en tout cas sur le fonds baptismaux il y a 2 ans et qui, le constat après Ebola en Afrique, c'est qu'il n'y avait pas effectivement de structure d'institut qui puisse effectivement assurer une gestion en tout cas adéquate de grosses crises sanitaires. Et le concept des CUS, des centres d'opération d'urgence, c'est de faire de telle sorte que en situation de paix, ces centres-là travaillent à préparer les différents systèmes de santé à pouvoir faire face donc à ces différentes crises-là. Donc, pour pouvoir être prêt, il faut donc se préparer, il faut élaborer donc des procédures, il faut s'entraîner, il faut élaborer des plans. Pour que lorsqu'il y a effectivement la crise, lorsqu'il y a le temps de guerre, effectivement, on soit en même de répondre à cela et en mobilisant toute l'expertise donnée. Toute l'expertise donc, technique, et nous avons vu au cours donc, de cette crise que toutes les expertises ont été mobilisées. Nous avons vu des étudiants qui étaient là, nous avons vu effectivement tous les profils, allant donc de profils civils, militaires. Nous avons vu également, en tout cas, des volontaires qui sont venus spontanément pour donc accompagner vraiment donc, la réponse à cette crise. Et le Chorus, c'est ça.
c'est cette institution-là qui travaille vraiment à coordonner effectivement cette réponse. Nous ne sommes pas appelés à aller directement prendre en charge les cas, mais c'est assurer donc cette coordination technique. Nous disons bien toujours technique, parce que la coordination stratégique se fait à un autre niveau. Voilà. En une année avec la maladie à coronavirus, les Burkinabés ont tant bien que mal adopté un comportement de respect des mesures barrières. Un an après l'apparition de la maladie, le constat est amer sur le terrain. Les mesures barrières ne sont plus respectées par tous. Et pire, certains ne croient toujours pas à l'existence de la maladie. C'est un constat fait par Ahadi Sandamba. La ville de Ouagadougou, ce matin du 9 mars 2021. Les dispositifs mis en place dans le cadre de la lutte contre la maladie à coronavirus semblent désormais délaissés. Des lavements devenus des dépotoirs d'ordures ou tout simplement abandonnés. Que dire du port du masque? Là également, le constat est amer. Ils sont désormais rares, ceux-là qui portent le masque. En circulation, on les compte au bout des doigts. Non, moi, ce n'est pas le cas. Moi-même, j'aime. Mon cache-nez juste à côté, je voulais juste mettre, mais j'ai vu que ce n'est pas le cache-nez que je voulais mettre là. Donc j'ai préféré laisser. C'est dans la voiture, c'est un cas exceptionnel. Bon, je n'ai pas prêté attention, c'était juste que je suis allé payer quelque chose. Bon, mais désormais, je tiendrai compte. Là, je viens de très loin, Regarde, tout ça, c'est mes masques. Par exemple, je viens de très loin, je suis fatigué même en fait. Je vais essayer de voir comme ça, donc je vais vous là. Il y en a même qui affirment d'être fatigué du respect des mesures barrières, notamment le port du masque. Vraiment, on est fatigué. Mais cache-nez, te promener, souvent même tu veux rentrer dans les structures, mais on dit qu'il faut cache-nez. Ça n'a aucun effet au fait. Si moi je mets cache-nez, c'est à cause de la poussière, sinon c'est pas à cause de la maladie. Et pire, certains Burkinabés pensent toujours que la maladie n'existe pas et que la fin du Covid-19 au Burkina Faso est liée à celle en Occident. En Europe, il peut dire non, oui, ça peut exister. Mais ici, là, je ne crois pas. Si ça a fini en France, je suis sûr que ça va finir ici. Mais du fait qu'il y a la maladie en France, ça va continuer. Heureusement que certains croient en l'existence de la maladie et arrivent toujours à respecter les mesures barrières. Je porte le masque parce que c'est recommandé par la communauté scientifique mondiale et par les médecins du Burkina Faso contre la Covid. On respecte les mesures barrières, bon, on lave les mains, bon, également, partout où on rentre, on lave les mains et puis on porte les casques. Parce qu'il y en a toujours. Oui, la maladie existe toujours. Mais il y a d'autres qui l'y ont. Mais vraiment, moi, selon moi, ça existe toujours. Et on doit se protéger. Non, même s'il n'y avait pas le corona, il faut porter le masque. Comme il y a beaucoup de poussière là-bas, voilà, il faut porter le masque. Voilà, selon moi. Quoi. De nos jours, seules quelques structures étatiques et privées continuent d'imposer le port du masque à leurs usagers. Ici, par exemple, malgré la présence du dispositif de lave-main, certains usagers entrent tout simplement sans y faire attention. Monsieur Sabadogo, on constate une baisse de mesures de prévention. Par exemple, dès les premières heures de la pandémie, nous avons constaté tous ces dispositifs dans les espaces publics, les grands marchés, tout et tout. Donc, aujourd'hui, ce n'est qu'un souvenir puisqu'il n'y a plus de dispositifs. Et puis même le port du masque, c'est timide. Qu'est-ce qui explique cette situation? Pourtant, on enregistre toujours de nouveaux cas de maladie. Merci. C'est effectif ce que vous venez de dire. Et c'est même très préoccupant. C'est dommage que aujourd'hui on constate que les gens ne portent pas les masques. Et comme l'a dit le reportage tout de suite, certains reconnaissent que la maladie existe. Même ceux qui reconnaissent que la maladie existe, généralement ne portent pas de masque. Malheureusement, c'est le scepticisme et ça se trouve à tous les niveaux. Mais est-ce que ce n'est pas parce que les autorités, le gouvernement a baissé le bras par rapport... Parce qu'au début, oui, c'était exigé. Donc, il n'y a pas eu de travail de suivi. Oui. J'ai l'impression qu'il y a eu... On a baissé les bras. Oui. Donc, les gens se sont dit... Est-ce que ce n'est même pas ça qui a encouragé les sceptiques à se dire que la maladie n'existe pas? Bon, on peut dire d'une manière générale qu'avec également aussi le fléchissement des cas positifs, il y a eu à un moment donné, effectivement, aussi un relâchement des mesures. Pendant la campagne, il y a eu la campagne
plusieurs campagnes qui se sont déroulées, donc les législatives, la présidentielle. Donc les populations sont dit non, en réalité, est-ce que la maladie existe? Est-ce que ce n'est pas ce relâchement aussi qui a permis aux populations, à certains sceptiques, de rester sur leur camp? Oui, c'est possible que les grands regroupements aient eu un impact. Mais ce n'est pas l'élément fondamental qui a amené ce scepticisme. Avant ces grands regroupements... L'élément déjà, fondamental, c'est quoi pour vous? Pour moi, c'est... Il y a d'autres facteurs. Lesquels? D'autres facteurs. Par exemple, le facteur climatique qui a joué un rôle important dans ce que nous avons appelé donc, la montée des cas positifs. Parce que c'est ailleurs, il y a eu également aussi la montée de ces cas positifs. Mais ce n'est pas lié forcément au grand regroupement. C'est vrai qu'on peut prendre ça en compte, mais il ne faudra pas citer ça comme l'élément premier qui a joué, qui a donc milité. C'est un exemple parmi tant d'autres. Ok, si c'est un exemple, je n'en disconviens pas. Mais toujours est-il que... Parce que jusqu'à présent, dans les marchés, aucun dispositif, il n'y a pas de respect de mesures barrières, les gens se côtoient, se frottent, il n'y a aucun problème. Oui, c'est donc, vrai. Est-ce c'est que vrai. Ce relâchement... Même avec l'ouverture des marchés, même avec les fermetures et les conditions que l'État a données aux populations pour ouvrir les marchés, dès que les marchés ont été ouverts, les gens ont refusé de porter le masque. Ce scepticisme qui est déplorable, c'est ce scepticisme-là qu'il faut essayer donc d'annuler en procédant certainement par de la sensibilisation continuelle, parce que la répression n'est pas toujours le moyen le plus efficace en ce genre de situation. C'est la raison pour laquelle nous recommandons toujours de continuer à sensibiliser. Voilà, d'expliquer et de commencer à prendre nous-mêmes nos responsabilités. Parce qu'il y a une forte responsabilité qui se dégage dans cette affaire. Si vous voyez dans les ministères, c'est vrai, il y a des dispositifs, il y a même des affiches, mais il y a des agents même à l'intérieur de ces ministères qui ne portent pas de masque. Là, on ne peut pas dire qu'ils ne comprennent pas. C'est peut-être cela. Et face au refus, docteur Kabouré, qu'est-ce que vous avez entrepris pour sensibiliser la population? D'accord, merci bien. Je trouve qu'à ce jour, c'est vraiment dommage qu'à ce jour-là, il y ait encore des gens qui ne croient pas au coronavirus. Moi, je trouve, parce que même le paysan qui est dans le village le plus reculé, il sait que, de façon générale, son mode de vie a changé. Son enfant qui est en ville, qui lui envoyait parfois... au régulièrement de l'argent, c'est sûr que cet enfant-là lui envoie certainement de moins en moins d'argent parce qu'en ville, il n'arrive plus à travailler correctement. Donc, je trouve que de ce point de vue, c'est vraiment dommage. Et ce scepticisme, c'est surtout nous les jeunes qui sommes très souvent sceptiques parce que, étant jeunes, nous ne faisons pas des cas compliqués. Très souvent, c'est des cas très simples qu'on fait avec un petit rhume ou une petite toux. Et donc, comme nous ne tombons pas malades, nous croyons que la maladie n'existe pas. Malheureusement, si je suis commerçant, je pars au marché, j'attrape le virus, je fais mon petit rhume, je rentre à la maison, je salue mon papa ou la maman qui est gravataire avec son diabète mal équilibré. Bon, après, je vais créer des soucis à ces personnes-là vulnérables. Voilà. Mais moi, je m'en fous entre griffes parce que bon, je ne tombe pas malade. Je trouve que bon. Dire que le gouvernement doit tout le temps rappeler les gens, c'est vrai, mais quand on installe un feu tricolore, on sait qu'il y a le rouge, le vert et puis le jaune, et l'orange plutôt, mais ce n'est pas aux policiers de venir tous les jours nous dire qu'il y a un feu tricolore, je suis désolé. Le jour où le policier n'est pas là, donc ce feu tricolore n'a pas sa raison d'être. Et si le gouvernement doit tout le temps passer nous rappeler ces mesures barrières, bon, je trouve que... ça va être vraiment... On va encore se plaindre parce qu'on a un gouvernement gendarme qui nous poursuit partout. Donc, je pense que c'est à chacun de réaliser que ce n'est pas une invention, le coronavirus. On ne sait pas d'où vient le virus, mais la maladie existe réellement. Ça, c'est sûr. Ça, c'est une réalité. Voilà, ça, c'est une réalité. Voilà. Heureusement qu'il y a l'espoir, parce que face à la pandémie du COVID-19 et ses variants, on parle de vaccins. Docteur Bikaba, quel vaccin pour l'Afrique? Oui, merci. Il faut dire que cela fait quelques mois déjà qu'il y a un certain nombre de vaccins qui sont mis sur le marché. De 47 vaccins au départ, on a près d'une dizaine de vaccins en tout cas qui sont en train d'être utilisés dans le monde.
Et à ce jour, on utilise, on estime environ près de 200 millions de personnes, le nombre de personnes qui ont déjà bénéficié donc, de la vaccination. 200 millions de doses donc, administrées, dans le, plus de 200 millions de doses administrées dans le monde. Donc, au niveau du Burkina Faso, la question a été posée. Et bien sûr, depuis le mois de novembre, comme nous le disions, la réflexion est en tout cas en train d'être menée par le ministère de la Santé. Et il y a eu un certain nombre de questions spécifiques qui ont été posées donc, à des experts de la vaccination. C'est le groupe technique chargé donc, de la vaccination, consultatif pour la vaccination. Et à ces questions, ils ont en tout cas donné des orientations pour nous permettre effectivement de réussir cela. Il faut rappeler que ce groupe, c'est un groupe d'experts indépendants qui, lorsqu'ils sont donc consultés, donnent un avis vraiment indépendant, en tout cas basé sur donc, les évidences et pour aider effectivement le meilleur choix politique possible. Et ce qu'il faut retenir au niveau du Burkina Faso, c'est que le meilleur vaccin possible doit tenir compte bien sûr de notre contexte. De notre contexte, le contexte du pays, de nos moyens logistiques. Donc, ce sont des vaccins qui doivent être conservés à un certain nombre de températures données. Cela va être difficile. Donc, nous savons bien que nous avons une chaîne de froid, que ce soit au niveau central ou au niveau des régions, qui répond à un certain nombre de critères. Donc, le vaccin doit répondre à cela. Le vaccin également doit pouvoir répondre, bien sûr, aux exigences donc, de qualité, globalement, parce que ce n'est pas que lorsqu'on a le vaccin va rentrer, non. Il y a effectivement des procédures qui sont là. Il y a aussi un processus de pharmacovigilance après l'introduction du vaccin qui essaie de rechercher donc, les effets secondaires du vaccin donc, sur la population auquel on a administré donc, cela. Donc il y a un certain nombre de critères qui sont faits et dans ce groupe qui a été mis en place, cette commission pour l'introduction du vaccin, il y a plusieurs thématiques qui sont en train de travailler, depuis la logistique, la communication, les aspects réglementaires de pharmacovigilance, de telle sorte à ce qu'effectivement le Burkina Faso donc, soit prêt lorsque il aura été décidé du choix du vaccin. Mais il y a déjà une collaboration mondiale pour un accès au vaccin par le COVAX piloté par l'OMS. Oui, il faut dire que dès les premières heures, le Burkina a adhéré effectivement au mécanisme COVAX, qui est un mécanisme, en tout cas, lisé donc par l'Organisation mondiale de la santé, Gavi, le CEPI, en vue de garantir un accès équitable au vaccin, fait de telle sorte effectivement que les pays qui sont moins nantis puissent effectivement bénéficier. Parce que nous avons vu qu'aux premières heures, les pays les plus nantis ont fait des commandes de vaccins. Si bien que les pays qui n'avaient pas les ressources pouvaient être effectivement dépourvus de cela. Donc c'est un mécanisme qui vise à rétablir l'équilibre et permettre à ce que effectivement tout le monde puisse bénéficier donc, de la vaccination. Il y a quelques mois de cela, des laboratoires américains, européens, chinois et russes ont annoncé avoir mis au point des vaccins contre le COVID-19. Ces vaccins ont été rapidement homologués pour la plupart et mis sur le marché. Depuis, les 10 pays développés se battent pour repérer le plus de doses pour leur population. Alors, quel vaccin pour le Burkina dans ce contexte de pandémie et de réticence de certaines populations face aux vaccins? Nous sommes allés à la rencontre d'un immunologue pour avoir de plus amples informations sur les vaccins disponibles au plan international et la stratégie de vaccination propice pour le Burkina Faso. Daouda Ouattara, Pascal Kané. Après plus d'une année de lutte contre la pandémie du COVID-19, une lueur d'espoir s'offre au monde. Des laboratoires mettent sur le marché des vaccins anti-COVID. Une partie de la solution à la maîtrise de la pandémie, c'est la conviction du docteur Serge Sawadogo, promoteur du Centre de recherche et d'innovation en immunologie Nelson Mandela de Ouagadougou, Primo. Oui, bien sûr. Le vaccin est un des éléments de l'arsenal thérapeutique disponible au niveau de tous les pays pour pouvoir contrôler et mieux gérer l'expansion de la COVID-19 dans chacun des pays. Ce n'est pas la solution unique, puisque vous allez voir que dans tous les pays, ce n'est pas uniquement la solution vaccinale qui est mise en place, puisqu'on continue à maintenir les gestes barrières, la désinfection et les confinements lorsque cela est nécessaire. Mais effectivement, l'introduction des vaccins au niveau des différents pays va permettre d'améliorer le contrôle de cette infection
que l'on observe dans chacune des régions. Quel vaccin donc pour le Burkina Faso, pays tropical aux ressources limitées? Tout dépend de la politique vaccinale du pays, même si certains vaccins se prêtent plus à nos conditions. Nous avons les fameux vaccins de Pfizer, BioNTech, dont on entend beaucoup parler et que les gens ne comprennent pas vraiment. Nous avons les vaccins de AstraZeneca. Nous avons le Sputnik V, qui est aussi un vaccin russe qui est assez intéressant. Il y a le vaccin de Sinopharm et il y a des nouveaux vaccins qui sont en train d'arriver sur le marché, notamment celui de Johnson & Johnson. Mais il faut savoir qu'il y a plus d'une centaine d'études vaccinales qui sont en cours dans le monde. Donc ça veut dire que les nouveaux vaccins, on va en avoir au fur et à mesure de l'évolution, on va avoir apparaître de nouveaux vaccins et on va voir apparaître la validation de nouveaux vaccins aussi. La réponse n'est pas simple. C'est un comité d'expertise qui doit s'asseoir et qui doit disposer d'éléments qui lui permettraient de décider quel est le vaccin qui correspond le mieux au Burkina Faso. Donc il y a beaucoup de critères. Un des premiers éléments, c'est de savoir quels sont les variants qui circulent au Burkina pour savoir si le vaccin sera efficace dessus. Le deuxième critère, c'est de savoir quel est le niveau d'immunisation de la population. C'est des travaux qui sont déjà en cours. Et enfin, quelle est la capacité opérationnelle que nous avons pour déployer ce vaccin. Et évidemment, en ligne de compte, en dernier point, il faut aussi identifier nos capacités à payer ce vaccin. Pour le moment, la politique vaccinale de Burkina n'est pas encore disponible, mais Dr Sawadgo pense qu'il faudra faire comme beaucoup de pays, protéger d'abord les plus vulnérables et les plus exposés. La vaccination est une des solutions contre cette maladie virale, mais encore faut-il que la population accepte de se faire vacciner. Sur ce sujet, les anti-vaccins ont inversé le terrain de la communication. Ils distillent des informations très souvent mensongères qui risquent de désorienter la population. Il faut donc mettre l'accent sur la communication et surtout la bonne communication si l'on veut réussir une éventuelle campagne de vaccination. Nous devons mettre à la disposition de cette population une information qui va être claire, qui va être compréhensible et surtout qui va être vraie. Donc, encore une fois, je dirais, ne restez pas sur les réseaux sociaux parce qu'il y a tellement, tellement, tellement de fausses informations que, bon, on a entendu du tout, que les vaccins vont vous stériliser, que ce sont des puces que l'on implante, que... C'est tellement que c'est de la thérapie génie. On entend tellement de choses qui sont complètement, je suis désolé d'utiliser ce terme, absurdes, qu'en réalité, dès que vous allez commencer à avoir cette information juste, de la bonne manière, vous allez comprendre qu'en réalité, il n'y a pas à avoir peur et que vous pouvez décider de vous vacciner en toute connaissance de cause. L'OMS et ses partenaires ont commencé à déployer en Afrique les vaccins anti-Covid à travers le système COVAX, un système qui permet aux pays avec peu de ressources financières d'accéder aux vaccins. Docteur Bikaba, les pays voisins comme le Ghana, la Côte d'Ivoire et un peu plus loin le Sénégal ont déjà reçu leur premier lot de vaccins. À quand pour celui du Burkina Faso? Oui, merci. Comme je le disais tantôt, le Burkina fait partie du mécanisme COVAX. Nous avons mis en place donc un certain nombre de dispositifs donc, pour préparer le pays à l'introduction du vaccin. Mais comme nous le disons, chaque pays, effectivement, le Burkina, en tout cas, depuis le début de l'épidémie, nous essayons donc de contextualiser effectivement les réponses à apporter donc à cette crise et faire de telle sorte effectivement que les réponses donc soient adaptées, en tout cas, à notre contexte. Et comme nous l'avons dit, nous n'allons pas aller dans une course de vitesse. Mais nous sommes en train de travailler de telle sorte à ce que lorsque effectivement la décision du type de vaccin sera effectivement prise, que nous ayons le maximum de chances donc, de réussir cela, faire de telle sorte que les populations vulnérables effectivement soient vaccinées et qu'elles adhèrent également à cette vaccination, parce que c'est ça qui est le plus important. Tout à fait. Mais que pensez-vous des vaccins ARN messagers qui sont des molécules dont la structure est proche de celle des molécules d'ADN? Je pense que le spécialiste en a parlé tout à l'heure, mais il faut dire que ce que je peux tout juste ajouter, ce sont des vaccins qui sont à l'étude donc, depuis 2005 au moins, et donc ce n'est pas nouveau.
et qu'il y a un certain nombre de publications sur ces vaccins. Il y a un certain nombre de connaissances, effectivement, sur ces vaccins. Il y a un certain nombre de vaccins également qui ont été utilisés déjà, comme celui qui a utilisé comme AstraZeneca, qui utilise la même technologie donc celui utilisé par le vaccin contre Ebola, et qui a montré effectivement son efficacité. Voilà. Donc, il ne faut pas être fermé forcément aux nouvelles technologies, parce que nous sommes persuadés qu'en 1700, lorsqu'on découvrait le vaccin, il y avait beaucoup de gens aussi qui étaient sceptiques par rapport donc, au vaccin. Mais nous, notre rôle ici, c'est de travailler à ce que un vaccin qui rentre effectivement soit un vaccin qui soit adapté, qui soit effectivement non nocif et qui soit accepté effectivement par la population. Est-ce que la population en Afrique ont telle raison d'avoir peur de ces différents vaccins, docteur Kabore? Alors, je pense qu'on a écouté le docteur Sadogo qui est revenu à long et à large donc, sur le fait que le vaccin n'a aucun danger. Le docteur Bikawa également en a parlé. Je pense que pour nous en Afrique, c'est plutôt une opportunité. Parce que si avec cette célérité, les Occidentaux ont pu mettre en place le vaccin, nous espérons que, bien sûr, après le coronavirus, la même technologie sera utilisée pour nous aider à trouver des vaccins contre le palu et puis bien d'autres épidémies qui nous ravagent ici. Aujourd'hui, il y a plus de 200 millions de doses qui sont déjà utilisées. Et je pense que sur les 200 millions de doses, si vraiment le vaccin avait des effets indésirables très mortels, comme les gens le suggèrent, je crois qu'en Europe, il existe quand même des organismes pour arrêter ce processus-là. Donc, je pense qu'on n'a aucune raison d'avoir peur. Donc, il faut donc y aller. Il faut y aller. Okay. Quelles sont les forces et faiblesses de l'Afrique face aux pandémies, docteur Bikawa? Ça, c'est une question, effectivement, parce qu'on se rappelle bien qu'on avait prédit, effectivement, l'hécatombe, voilà, au niveau de l'Afrique. Et bien, alors que c'est le contraire qui s'est passé. Il faut dire que l'Afrique, nous faisons face habituellement aux épidémies. Chaque année, chaque deux ans, nous avons soit une épidémie de méningite par-ci, une épidémie de choléra, nous avons nos épidémies donc de rougeole par-ci, par-là. Si bien que nous avons quand même des systèmes de surveillance relativement assez performants. Et nous avons également une population qui est habituée donc à utiliser bien sûr le programme élargi de vaccination, qui est un bon outil, un bon programme pour pouvoir effectivement faire face à ces épidémies-là. Et de manière globale, nous avons un certain nombre de points forts, mais les insuffisants résident bien sûr à renforcer non seulement nos systèmes de réponse, les systèmes de réponse à faire face donc aux crises majeures. Parce que comme nous l'avons vu, la surveillance est bonne, mais il faut pouvoir avoir une réponse adaptée, une coordination adaptée. Il faut également travailler à ce qu'au niveau, donc, en Afrique, nous avons des solutions locales. Par exemple, lorsque à un certain moment, tous les espaces aériens étaient fermés, la question de l'approvisionnement s'est posée. Et donc, l'approvisionnement en un certain nombre de molécules stratégiques, les médicaments. Et si, effectivement, la centrale d'achat et des médicaments n'avait pas pris de précautions en faisant des stocks stratégiques pour le Burkina Faso, c'est sûr qu'à un certain moment, on aurait pu tomber en rupture. Donc, la question également de la production locale de certains médicaments s'avère nécessaire. Et bien sûr, un autre point également qu'on pourrait travailler à renforcer, bien sûr, c'est de manière globale la promotion de la santé. Parce que vous savez que avec un certain nombre de gestes, on peut effectivement éviter d'être malade parce qu'on a pris les bonnes mesures adaptées pour cela. Et c'est en cela que, par exemple, pour la COVID-19, le port du masque, nous ne désespérons pas. Parce que le changement du comportement, nous savons que c'est des choses qui sont difficiles et qui prennent beaucoup de temps. Par exemple, pour le VIH-SIDA, on a pris des années et des années, mais nous sommes arrivés de telle sorte à ce qu'effectivement, aujourd'hui, le VIH-SIDA, en tout cas, est en passe donc d'être éliminé donc, de nos pays. Donc, nous ne nous désespérons pas, mais nous savons que cela va prendre du temps. Et nous invitons toujours les uns et les autres à travailler dans ce sens. En un an de pandémie, quelles sont les leçons apprises dans la gestion de la COVID-19 sur le plan national et international, Monsieur Sawadogo? La gestion de la... Oui, quelles sont les leçons qu'on a pu tirer dans la gestion en une année? Bien, aujourd'hui, on peut dire que nous avons une grande prise de conscience par rapport donc
à nos attitudes face aux épidémies. La leçon également aussi la plus importante, c'est que la COVID a été une opportunité pour nous, surtout au niveau du système de santé, de pouvoir améliorer donc ce plateau technique. Donc ça, ce sont des éléments importants qu'il faudrait donc retenir par rapport donc à la survenue de cette COVID. Docteur Kabore, qu'est-ce qu'il faut retenir? Alors, ce que moi je vais retenir, c'est que, comme on l'a dit, qui veut la paix prépare la guerre. Et je pense que dans tous les pays, les gens préparent les épidémies avant même que les épidémies n'arrivent. Donc, je pense qu'il faut qu'on travaille, en tout cas, à avoir d'autres cursus de formation ou dans la pratique des formations qui nous préparent, en tout cas, à faire face aux éventuelles épidémies. Parce que les épidémies, c'est sûr, il y en aura toujours. Alors, ça, c'est d'une part. Alors, d'autre part, je pense que le Burkina Faso a déjà un système de santé assez solide qui a permis et qui permet de gérer certaines épidémies. Donc, pour une nouvelle épidémie, il est souvent très difficile de vouloir repartir à zéro en mettant de côté ce qu'on avait déjà comme système. Donc, je pense que pour les fois à venir, déjà intégrer dès le départ ce qu'on a comme système, ça pourrait peut-être nous éviter en tout cas certains tâtonnements. D'accord. Voilà. Ok, donc le CORUS, en une année de gestion de la pandémie à COVID-19 plutôt, qu'est-ce que vous vous retenez comme leçon? Merci. Il faut dire que la première leçon, c'est la nécessité de la solidarité au niveau international pour faire face à des crises majeures. Parce que on a vu aux premières heures les uns les autres, en tout cas, se disputer pour arracher effectivement les consommables, etc. Mais il n'y a pas de perspective pour cela. Il y a la nécessité de la solidarité. Et nous l'avons vu au niveau du Burkina, comment, effectivement, suite à l'appel donc, du chef de l'État du 2 avril, effectivement, tous les Burkinabés effectivement, se sont mis effectivement, pour faire face à cela. Bien qu'il y avait la psychose, tout le monde s'est mis et nous avons fait face à cela. La deuxième, nous avons fait face à Ebola. Et nous sommes en train de rentrer dans une ère où nous allons faire face de plus en plus à des épidémies, à des crises sanitaires de cette envergure. Et il y a la nécessité de renforcer les systèmes de santé de telle sorte à ce qu'ils soient plus résilients, à mettre en place effectivement des outils. Nous avons le Centre des opérations de réponse d'urgence sanitaire, nous avons l'Institut national de santé publique. Ensuite, de renforcer donc ces outils-là de telle sorte à ce qu'ils puissent travailler à renforcer l'ensemble du système de santé pour le rendre résilient. Et le troisième point, il faut effectivement travailler à renforcer les systèmes, la production locale, donc de certains, en tout cas, molécules, de telle sorte à ce que quand même nous ayons un certain nombre de molécules, lorsque nous sommes confrontés donc à des crises telles qu'on l'a vu ici. Et nous avons vu effectivement que avec cette crise, il y a la nécessité de renforcer l'ensemble du système de santé, parce qu'à un certain moment, et tout était cloué, il n'y avait pas de possibilité d'évacuer. Et nous avons vu que nous avons pu renforcer les systèmes de santé. Mais il faut travailler toujours à renforcer ces systèmes-là et faire de telle sorte, effectivement, que l'offre de soins soit améliorée. En tout cas, merci, monsieur, d'être venu sur ce plateau. Merci pour votre contribution à la première partie de cette émission. Présent la deuxième partie de cette émission consacrée à l'impact socio-économique de la COVID-19 dans notre pays. Et pour cela, nous recevons pour vous Dr Issa Larba Kobiagda. Dr Kobiagda est le directeur général de la planification. Et puis également avec nous ce soir, M. Gilbert Ouédraogo. M. Ouédraogo est le directeur de l'information et de la communication de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso. Bonsoir, monsieur. Et bienvenue sur ce plateau. Merci.
S'il y a un secteur qui a le plus souffert de la COVID-19 dans le monde et au Burkina Faso, c'est bien l'économie. La maladie a touché tous les pans de l'économie, notamment avec la fermeture des marchés, des frontières, le couvre-feu et l'annulation de grands événements culturels comme le FESPACO, la SNC et bien d'autres spectacles culturels. Les pertes se chiffrent à plusieurs milliards de francs CFA, mais le fait marquant reste le déblocage de 394 milliards par le Burkina Faso pour sauver l'économie. Retour sur les conséquences économiques de la COVID-19 avec Moumouni Soubeiga. La chute du taux de croissance de 6,3% en 2019 à 1,9% en 2020, la baisse des recettes propres, la baisse des chiffres d'affaires des entreprises et les pertes d'emplois sont les conséquences économiques directes du COVID-19. Ces contre-performances sont consécutives à l'adoption par le gouvernement des mesures de riposte contre le COVID. Il s'agit notamment de la fermeture des marchés, des restaurants, de la fermeture des frontières, de couvre-feu et de la mise en quarantaine des villes. Ces mesures ont eu un impact négatif sur l'activité économique, notamment dans les secteurs tertiaires comme le commerce, les transports et les services financiers, obligeant certaines entreprises à fermer boutiques. Les secteurs comme la culture ne seront pas épargnés par le COVID-19. La fermeture des salles de ciné, des boîtes de nuit et l'annulation des spectacles culturels et des grands événements comme la SNC et le FESPACO ont contribué à paralyser les activités culturelles, mettant du coup les acteurs du domaine culturel au chômage. Conscient de la menace des effets pervers de la maladie sur l'économie, le chef de l'État prend des mesures. Nous sommes conscients que les mesures que nous prenons pour freiner. Le 2 avril 2020, il annonce 394 milliards de francs CFA pour faire face à la pandémie, 100 milliards pour redonner du souffle aux entreprises en difficulté et sauver des emplois, puis 1 milliard 25 millions de francs CFA pour soutenir les acteurs touristiques et culturels ayant subi des préjudices liés au COVID-19. Selon les spécialistes, les pertes liées au COVID au Burkina se chiffrent à plusieurs milliards de francs CFA. Au ministère de l'Économie, des Finances et du Développement, la priorité en 2021 reste la relance de l'économie nationale. Et selon les prévisions, la croissance devrait passer de 1,9% en 2020 à 4% en 2021. Retour sur ce plateau avec nos invités, M. Ouédraogo. Quelles sont les conséquences de la COVID-19 sur les activités économiques du Burkina Faso? Merci bien, Madame Dao. Je voudrais indiquer à la suite donc des spécialistes qui se sont tout à l'heure prononcés sur l'impact social et sanitaire de la pandémie, que donc sans conteste, la COVID-19 a eu des conséquences sur l'activité économique de façon générale et donc partant sur le secteur privé et qui, vous le savez, constitue en fait le moteur de la croissance au niveau du Burkina Faso. Et en termes de conséquences, je voudrais indiquer qu'il y a d'une part ce que l'on pourrait appeler les conséquences directes de la pandémie et qui sont directement en lien avec les mesures de riposte qui ont été prises par le gouvernement, vous vous souvenez. Et c'est notamment la fermeture des frontières et la mise sous quarantaine des villes qui ont été touchées. Il y a eu également la suspension des transports urbains et interurbains. Donc autant de mesures qui ont eu des répercussions directes sur les activités donc, de nos entreprises. Et ce que j'appellerais les effets indirects, qui ont quand même été les plus pervers et les plus durables. Et ce sont ces effets-là que nous avons, nous, à travers des études que nous avons réalisées au niveau de la Chambre de commerce et d'industrie. Nous avons réalisé 3 études et qui nous ont permis d'aller beaucoup plus en profondeur pour aller auprès des entreprises et évaluer et ce que donc, ces entreprises-là ont ressenti comme effet. Et donc, pour aller vite. Les effets pervers et durables. Oui, c'est notamment la suspension. Vous savez, il y a des secteurs d'activité qui ont dû, durant toute cette période-là, et heureusement qu'elle n'a pas donc perduré. Donc, il y a des secteurs qui ont dû suspendre leurs activités. C'est le cas des transports, c'est le cas du secteur de l'hôtellerie et de la restauration. Et vous savez également que tous les acteurs des industries culturelles et créatives ont durement subi le contre-coup. Donc des mesures de riposte qui ont été prises. Donc de façon générale, il faut dire qu'on a noté donc cette baisse des activités. On a également connu une baisse du chiffre d'affaires de la plupart des entreprises qui avaient totalement cessé de fonctionner ou qui étaient obligées de réduire les effectifs
soit en constituant des équipes, mais en tout cas, elles ont été contraintes de réduire les effectifs. Mais qu'est-ce qui a le plus marqué le secteur économique et commercial? C'est l'impossibilité des voyages ou d'importer, la fermeture des usines. Qu'est-ce qui a le plus impacté? Il faut dire que c'est une série d'effets dont la conséquence finale a été donc ce que j'étais en train d'indiquer tout à l'heure. Vous avez des opérateurs économiques qui étaient donc habitués à voyager, soit pour aller passer commande ou pour s'assurer de l'effectivité de leur commande, de la qualité et tout, qui ne pouvaient plus, du fait donc de la suspension des transports, qui ne pouvaient plus voyager. Il y a également des opérateurs économiques qui avaient de la marchandise déjà commandée. Et donc, du fait donc, de la fermeture des usines en Occident ou en Amérique, ces opérateurs économiques n'ont pas pu entrer en possession de leurs marchandises dans les délais. Et pour certaines marchandises, il y a eu des avaries, il y a eu des pertes. Donc, vous estimez tout ça à des centaines de millions. Et c'est en partie les conséquences qui ont été subies donc, par les entreprises. Et vous avez parlé d'études qui ont été menées jusqu'à trois. Quelle stratégie avez-vous mise en place pour faire face à cette situation? Je voudrais là, avec satisfaction, noter que, comme par anticipation, la Chambre de commerce et d'industrie, dès le mois de janvier 2020, rappelez-vous que c'est en décembre 2019 que la pandémie a été déclarée en Chine. Donc dès janvier, nous avions déjà commencé, par anticipation, à informer, à sensibiliser nos acteurs. Nous avons donc rencontré un certain nombre d'acteurs pour déjà leur parler de la manifestation de la maladie et par anticipation quelles étaient les mesures à prendre pour naturellement ne pas subir de plein pied les conséquences de la pandémie. Nous avons également par la suite pris des mesures sur le plan financier pour accompagner un certain nombre d'entreprises dans l'acquisition d'équipements, notamment les gels, les lave-mains et autres. Nous avons donc investi pour permettre donc à certains secteurs d'activité de pouvoir donc se mettre à l'abri. Et troisièmement, je voudrais citer le programme d'accompagnement à la résilience économique des entreprises, le PARC COVID, qui a été une initiative de la Chambre de commerce et qui a été menée de concert avec les structures d'appui au secteur privé. Et ce programme a permis d'apporter un accompagnement technique à l'ensemble des entreprises qui étaient confrontées à des questions fiscales, à des questions douanières et autres, dont le PARC COVID a permis de les accompagner sur ce plan. Et la dernière initiative, pour ne pas être plus long, c'est le plaidoyer que nous avons mené auprès de l'État et qui a permis de mettre en place le fonds de relance économique. Et certainement, nous allons revenir à ce fonds tout à l'heure. Docteur Kobiagda, est-ce que vous avez pu mesurer l'impact dans l'assiette financière? Merci donc, Madame Dao. De façon globale, il faut rappeler, comme l'a signifié donc M. Ouédraogo, puisque cette maladie a eu un impact directement sur les entreprises, et comme vous le savez, les entreprises, c'est surtout effectivement les contribuables sur lesquels l'État compte le plus. Donc forcément, lorsque cela impacte négativement à la fois le profit des entreprises, ça impacte directement effectivement l'assiette. Donc de façon globale, on peut estimer donc que les pertes de recettes fiscales se chiffrent autour donc de 300 milliards de francs CFA. Voilà. Et quelles sont les mesures que vous avez prises pour gérer cette crise économique et financière? 300 milliards, c'est énorme. Oui, à côté effectivement donc de cette situation difficile en matière de mobilisation des ressources, il a fallu donc déployer un certain nombre donc de mécanismes. Vous en souviendrez que lorsque le chef de l'État a annoncé également donc des mesures d'appui, cumulativement à cela, nous avions regardé donc les options qui se présentaient au niveau de l'espace UOMOA en termes de possibilités de financement. Mais là également, nous avons eu quand même un appui conséquent donc des partenaires techniques et financiers. Contrairement à ce qu'on pouvait penser un peu donc de cette pandémie, parce qu'il y avait un peu ce souci en termes de repli sur soi, mais les partenaires ont été beaucoup plus effectivement attentifs à la demande donc du gouvernement de les appuyer. Mais vous avez également les Burkinabés eux-mêmes qui ont contribué effectivement à travers les contributions patriotiques qui ont atteint donc plus de 3 milliards de francs. Mais les partenaires ont contribué à plus donc de 218 milliards donc de francs, ce qui est venu donc contribuer à limiter les conséquences donc sur les pertes de recettes occasionnées par la pandémie.
Quelle a été l'importance de l'apport du gouvernement dans la relance économique? C'est vrai que M. Bedrago a parlé de cela au niveau de la Chambre de commerce, mais à votre niveau, qu'est-ce que vous avez constaté? L'apport, quel a été l'apport dans la relance économique? Merci bien. Au regard effectivement des orientations qui ont été données donc par son Excellence Monsieur le Président du FASO, ce qui a été déployé très rapidement puisqu'il fallait donc circonscrire le mal à tous les niveaux. Parce que il faut rappeler fondamentalement que cette pandémie, lorsqu'elle affecte les entreprises, elle affecte la production, mais elle affecte donc directement aussi donc les employés à travers des baisses de revenus, donc ça affecte leur consommation. Donc pour pouvoir donc conjurer les difficultés donc que cette maladie risquait donc de créer au niveau du Burkina Faso, on a regardé à la fois du côté de l'offre et du côté de la demande. Donc vous avez un soutien adressé aux entreprises, mais vous avez également un soutien adressé aux ménages. Et lorsque vous faites donc l'analyse de la situation du secteur privé national, vous constatez bien sûr que les secteurs structurés, qu'on pourrait qualifier de formels, il y a beaucoup d'acteurs là-bas qui avaient la capacité de pouvoir supporter un temps soit peu. Mais il fallait aussi regarder du côté informel, où avec les mesures qui ont été effectivement annoncées, ce secteur informel a risqué de s'écrouler. Et c'était des ménages qui allaient se retrouver donc sans moyen donc de survie, surtout les ménages vulnérables. Donc les mesures ont consisté à un apport en termes de soutien financier à des ménages vulnérables, en termes donc également donc de soutien aux entreprises, en termes de mesures d'allègement au niveau fiscal. Mais il y a également ce que M. Ouedraogo disait, le fonds de relance économique. Et ce fonds-là a consisté effectivement à utiliser tout l'armada en termes donc de financement ou d'accompagnement en matière de financement, en s'appuyant sur le secteur privé, qui est effectivement, et notamment donc les banques, l'association professionnelle des banques et établissements financiers, pour financer donc les grandes entreprises et certaines moyennes entreprises qui avaient déjà accès à leurs guichets, mais aussi donc les fonds nationaux de financement pour pouvoir permettre à ceux qui sont donc dans le secteur informel et formel, surtout les très petites entreprises, de pouvoir donc gagner déjà avec le cycle d'exploitation, pouvoir donc se refaire une certaine santé et de continuer à produire. De façon globale, sur la base des prédictions de beaucoup d'institutions internationales qui annonçaient effectivement une récession, nous pouvons dire à la date d'aujourd'hui qu'avec la perspective de croissance positive que nous dégageons, l'économie a pu effectivement rebondir et nous avons fait une évaluation des mesures gouvernementales et cette évaluation est fortement appréciée. Plus de 70% donc des enquêtés ont apprécié positivement donc les mesures prises par le gouvernement. C'est vrai qu'il y a certaines mesures qui ont été dénoncées comme la fermeture des marchés hier à plus de 60%, mais de façon globale, les mesures prises par le gouvernement pour endiguer la maladie ont été effectivement saluées par les acteurs économiques. Revenons sur les mesures de relance. Les hommes d'affaires et commerçants ont-ils tous pu profiter de ces mesures ou bien il y a eu des oubliés? Par exemple, le secteur de transport, ils se plaignaient, ils ont dit qu'ils n'ont pas pu bénéficier comparativement à d'autres secteur d'activité, des mesures d'accompagnement. Alors, il faut dire que le fonds de relance économique mis en place par le gouvernement est doté d'une enveloppe budgétaire de près de 100 milliards de francs CFA. Et pour l'année 2020, il y a 70 milliards qui étaient alloués. Et pour 2021, il y a 30 milliards. Donc, ça fait donc le total de 100 milliards. Et donc, comme M. Kobiar l'a dit tout à l'heure, ce fonds a été mis en place avec un mécanisme de gestion qui est logé au niveau du ministère des Finances et qui intègre un certain nombre de partenaires, y compris donc la Chambre de commerce et d'industrie de Burkina Faso. Mais il a indiqué également l'association professionnelle des banques et établissements financiers en fait partie. Et il y a un certain nombre de fonds, les fonds nationaux qui également en font partie. Et donc le principe du fonds, c'était donc de permettre à toutes les entreprises affectées par la pandémie, de pouvoir introduire des dossiers et donc de pouvoir bénéficier d'un accompagnement. Il faut dire que les acteurs au niveau du secteur privé s'attendaient à un système de subvention ou d'accompagnement sans une contrainte de remboursement. Bon, malheureusement, on l'a vu dans certains pays, certains États ont pu mettre de l'argent sur le marché pour, en tout cas, accompagner la relance économique, ce qui n'a pas été le cas, quoique ce qui a été fait au Burkina reste salutaire. Et le secteur privé salue cet effort du gouvernement à sa juste valeur. Mais sur le terrain, les acteurs
ont dû donc, à travers les différentes sessions de formation et de sensibilisation que nous avons menées, pour leur montrer un peu quels sont les mécanismes pour pouvoir donc bénéficier de ces fonds. Je pense que beaucoup d'acteurs ont pu introduire des dossiers et il appartenait maintenant aux fonds nationaux et aux établissements financiers d'examiner ces dossiers parce que, quoi qu'on dise, il y avait également des critères et beaucoup d'entre eux ne remplissaient pas donc les conditions. Et c'est peut-être cela qui a été signalé par les transporteurs. Mais je pense qu'il y a un travail qui est en train d'être fait. Et nous, en tant que porte-voix du secteur privé, et nous avons, il n'y a pas longtemps, nous avons adressé une correspondance au ministère des Finances pour poser sur la table les préoccupations du secteur privé et par rapport donc à la mise en œuvre donc du fonds de relance. Donc je pense que dans les jours à venir, il y a des actions fortes qui vont être prises et pour permettre vraiment à toutes les entreprises affectées et de pouvoir être soulagées et donc de pouvoir reprendre leurs activités. Ok, on revient au niveau du ministère de l'Économie. Comment vous avez amorti le choc? Parce qu'on s'attendait à des recettes. Donc, il n'y avait plus de recettes. Il fallait également trouver auprès des partenaires techniques et financiers des moyens pour relancer l'économie. Donc, cela veut dire qu'il y a eu un temps où on ne pouvait même pas s'attendre à enregistrer, à encaisser. Donc, comment vous avez fait pour amortir ce choc? Alors, comme je l'ai dit, effectivement, d'un côté, la pandémie a créé effectivement des dépenses supplémentaires. Des dépenses donc en termes de mise à niveau donc des plateaux techniques, de prise en charge effectivement des cas confirmés de Covid. Mais cumulativement à cela, effectivement, avec l'impact économique, les entreprises se sont retrouvées dans des difficultés. Ce qui était important donc dans ce cas-là, c'était de pouvoir effectivement faire appel effectivement à la solidarité internationale. Mais cumulativement, on a utilisé le marché financier régional, où on a pu effectivement lever quelques ressources assez rapidement pour relancer l'économie. Notre objectif, c'était faire de telle sorte que l'économie se relance rapidement pour éviter donc que les conséquences ne soient suffisamment graves. Et vous l'aurez constaté au niveau communautaire, au regard de la situation, on a levé le verrou donc du pacte donc de convergence qui permettait un peu plus ou moins aux États de dépasser le niveau de déficit tel que cela était prévu. Et le Burkina est aujourd'hui en tout cas un des pays donc de l'espace Uyomoi qui a trouvé effectivement un meilleur mécanisme pour que le déficit ne soit pas suffisamment prononcé. Comparativement à d'autres pays de l'espace où ils sont pratiquement à 6% du déficit, notre déficit est resté quand même contenu autour de 5,2, ce qui est relativement intéressant au regard de la situation. Mais on s'attendait aussi un peu plus ou moins, parce que ce que les spécialistes disent, face à cette situation, que la dette publique explose. Et là également, on a pu contenir notre dette publique, ce qui est une très bonne chose. Donc, de façon générale, les mécanismes qui ont été identifiés sont fortement en corrélation avec les besoins de l'économie, ce qui a permis rapidement de relancer l'économie. Et les derniers trimestres, par exemple, de l'année 2020, on a eu quand même une bonne reprise et on a eu donc des entrées de recettes. Ce qu'il faut signaler, c'est qu'avec la loi de finances rectificative, le montant des recettes attendues au regard de la situation de Covid, les régies de recettes ont fortement également travaillé. La digitalisation a contribué à mobiliser beaucoup, mais les acteurs clés donc des régies de recettes ont tellement travaillé qu'on a atteint donc un taux exceptionnel de 101% de mobilisation de ressources. C'est tout cela qui a contribué à limiter effectivement les dégâts. Monsieur Ouedraogo, est-ce que des sociétés ou entreprises ont mis la clé sous le paillasson? Je voudrais dire que c'est évident. C'est évident, nous n'avons pas des données chiffrées. Nous ne pouvons pas vous dire exactement combien d'entreprises ont fermé. Mais du retour que nous avons auprès d'un certain nombre d'acteurs, vous savez que les acteurs du secteur privé sont organisés en association ou en groupement professionnel. Donc nous avons des retours qui indiquent quand même qu'il y a un certain nombre d'entreprises qui ont dû mettre la clé sous le paillasson. Mais je voudrais aussi nuancer en disant que la COVID-19 n'a pas été que négative pour les entreprises. Vous savez, en toute situation, il y a des opportunités. Et le secteur privé burkinabé a su saisir les opportunités qu'offrait la COVID-19. Il y a certains segments de l'économie qui ont été boostés et dont les activités ont connu vraiment une embellie. Vous savez, par exemple, pour le cas des masques, il y a eu une période où on manquait de masques et on a vu des entreprises locales qui se sont mises donc à, et avec l'armée en tête qui a donné l'exemple, il y a plus de 3 millions de masques qui ont été fabriqués
dans un délai très court par l'armée et certains couturiers, des stylistes ont emboîté le pas. Il y a la question des gels hydroalcooliques qui étaient désormais fabriqués sur place. On a connu également des start-up qui sont nées et qui ont expérimenté également leur savoir-faire à travers donc la fabrication de respirateurs artificiels, à travers la fabrication de lave-mains et autres. Donc c'est pour dire en résumé que la COVID-19 n'a pas été que négative, elle a également permis à un certain nombre d'entreprises. Et j'ajoute en disant que la spécificité du secteur privé burkinabé, c'est donc aussi sa capacité de résilience. Et cela, nous l'avons constaté. Et vous vous rendrez compte, par exemple, qu'en termes de création d'entreprises, nous avons connu un taux, une augmentation de près de 19% de création d'entreprises par rapport aux années antérieures. Au niveau des exportations, nous sommes situés à pratiquement 13,9%. Donc, c'est pour dire en résumé que la plupart des entreprises ont été affectées, mais certaines ont quand même pu tirer leur épingle du jeu. Et je pense que c'est aussi ça, la capacité de résilience dont je parlais tout à l'heure. C'est aussi ça, la dynamique dans laquelle le secteur privé devrait s'inscrire pour désormais faire face à tous les phénomènes qui pourraient apparaître. Et comment le monde du secteur économique arrive à s'adapter avec la COVID-19? Parce que on sent que la pandémie va s'installer dans le temps. On ne va pas arriver à bout de ça d'ici un mois, deux mois. On est obligé de vivre avec. Comment le monde du secteur économique au Burkina arrive à s'adapter avec cette maladie? Toujours avec M. Draou. Merci. Alors, il faut dire que de façon tout à fait naturelle, vous savez, l'être humain, c'est aussi ça, sa capacité. Quand vous êtes confronté à une situation difficile, vous êtes obligé d'être ingénieux. Et je pense que les entreprises aussi ont développé des initiatives, des innovations pour donc faire face à la pandémie. Aujourd'hui, on n'a plus besoin, grâce à la digitalisation, on n'a plus besoin nécessairement de voyager pour faire affaire. Il y a le e-commerce qui est de plus en plus développé et nous faisons d'ailleurs la promotion de ce concept-là qui permet aux entreprises de ne plus quitter le Burkina Faso mais de pouvoir continuer à faire affaire. Donc je pense qu'en termes de perspective, il y a beaucoup d'espoir, surtout que tout à l'heure on a parlé du vaccin. Donc la perspective du vaccin est également une très bonne nouvelle pour le secteur privé, pour la population de façon générale. Et je voudrais dire que pour les questions de financement également, notre institution a mis en place une société de microfinance qui a été lancée la semaine dernière et qui entend également apporter un accompagnement à toutes ces entreprises en difficulté, que ce soit du fait de la COVID-19 ou simplement des entreprises qui viennent de se mettre en place et qui veulent prospérer dans leur activité. Donc l'un dans l'autre, il y a de l'espoir et je pense qu'ensemble, nous allons pouvoir donc vaincre cette pandémie. Docteur Kobiagda, êtes-vous optimiste en 2021 par rapport aux indicateurs économiques? Ah oui, en tout cas, au regard donc de la capacité, la résilience donc de l'économie nationale pour 2020 avec le choc, et au regard donc des mesures qui ont été effectivement prises par les autorités pour endiguer la maladie et permettre effectivement au secteur privé de se relancer, on est effectivement en droit de penser que 2021 serait suffisamment intéressant. Mais pas très intéressant au point de retrouver, par exemple, notre chantier de croissance de 2018. Nous sommes dans une perspective effectivement de croissance positive. Et nous escomptons donc un taux de croissance qui serait donc compris. Je dis serait parce que nous allons stabiliser cela d'ici là, entre 4% et 4,5% pour 2021. Mais de façon globale, tous les indicateurs sont en train d'aller vers le vert. Et si cela effectivement se maintient, nous pensons donc pouvoir porter notre contribution également au niveau du secteur privé, qui est le moteur de l'économie, pour que ce secteur privé-là davantage se structure, apporte également les besoins, répondre aux besoins donc des attentes des populations burkinabées de manière à pouvoir créer davantage de richesses. Et nous sommes confiants que cela est déjà fait avec le secteur privé actuellement et tout ce qu'il y a comme innovation développée à ce niveau devrait contribuer à cela. Donc 2021, perspective heureuse, oui,
croissance beaucoup plus intéressante et certainement aussi avec le niveau de mise en œuvre du vaccin, on pourrait avoir une immunité collective au niveau mondial qui nous garantirait effectivement d'utiliser à la fois la digitalisation, mais également les bonnes pratiques qui existaient avant. Merci, Dr. Kobiagda. Merci. Merci à Monsieur Hidalgo d'être venu sur ce plateau. Merci, chers téléspectateurs. C'est la fin de cette émission consacrée à la maladie, à coronavirus au Burkina Faso, un an après. Donc, prenez bien soin de vous, respectons les mesures barrières. Je vous dis bonsoir et à très bientôt. Le décès d'un parent crée des mésententes et même